Cette question de la nature, entre guillemets, n'est pas forcément un sujet pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'idée, en tout cas pour le nouveau projet, pour le musée d'Orsay, c'est l'idée de l'exploration. L'idée de pouvoir augmenter notre vision de la réalité, l'augmenter de nouvelles couches qui s'ajoutent au fur et à mesure que de nouveaux outils apparaissent. C'est venu assez tôt en l'idée d'avoir une caméra machine autonome qui ait sa propre existence, sa propre logique, dans une volonté de déshumanisation du regard, non pas être dans le regard subjectif, mais dans un objet qui vient observer la réalité. Donc dès que j'ai commencé à faire des films, j'ai commencé à utiliser des caméras qui étaient équipées. J'ai utilisé, il y a déjà une vingtaine d'années, des drones, des caméras motion control, tout type d'instruments pour montrer des choses qu'on ne pouvait pas forcément voir à l'œil humain. Qu'est-ce qu'un Darwin contemporain irait explorer aujourd'hui? Est-ce que ça a encore lieu d'être? Quelle serait la manière d'explorer aujourd'hui? Et quels seraient les territoires géographiques qui seraient encore explorables? On a commencé à faire des recherches sur des lieux qui se présentaient d'une manière ambiguë, qui dégagent une certaine ambiguïté. C'est-à-dire soit des lieux qui aient l'air artificiels mais qui étaient naturels, soit des lieux qui étaient naturels mais qui donnaient l'impression d'avoir été transformés, modifiés. J'ai fait ces repérages grâce à des banques d'images parce qu'aujourd'hui, tout a été filmé. Très vite, on a décidé de faire un film en utilisant ces données et en les traitant, en les modifiant et en créant une espèce d'atlas. Et donc, mon studio fonctionne comme un laboratoire de recherche avec différentes personnalités, différentes compétences. Chaque projet, c'est d'abord pour nous l'occasion de creuser une intuition, de creuser un sujet. Et ça peut commencer soit par une théorie scientifique, soit par un territoire particulier, soit par une histoire. On se retrouve face à un phénomène ou face à une situation qui remet un peu en question notre rapport au monde et nos croyances, nos certitudes et notre rationalité. On voit bien dans les différentes versions du film, en fait, ce qui se renforce, c'est la dimension mystérieuse. Oui, parce qu'on ne veut pas. J'ai discuté longuement avec Grégory Kennett, un chercheur qui travaille sur l'histoire de l'environnement. Il m'a donné accès à certaines théories. C'est lui qui nous a parlé de post-anthropocène, de géo-engineering. Il a agi un peu comme un conseil scientifique. Et là, il y a les métamorphoses des fleurs qui sont différents. En fait, il y a des, à la fin, il y a des fleurs elles-mêmes, y compris une sorte de bestiaire un peu médiéval, en fait, qui. Ça, j'avais pas vu, en fait. Là où Laurent avait tout à fait raison, c'est extrêmement intéressant, c'est qu'on est à un moment où il y a un retour de l'exploration du monde, comme à la Renaissance. C'est-à-dire qu'à nouveau, la Terre est devenue mystérieuse. Elle est devenue mystérieuse, pourquoi? Parce qu'elle est en mouvement. Elle est en mouvement avec le changement climatique, la transformation des sociétés, les transformations de la biodiversité. Et elle est en mouvement, mais de manière mystérieuse, avec des phénomènes tout à fait inédits, des croisements, des mutations. Et d'une certaine manière, ça réintroduit l'idée d'un Darwin de l'Anthropocène, c'est-à-dire, eh bien, si on devait à nouveau explorer le monde, comment est-ce qu'on ferait? Quand je travaillais sur le projet, j'ai commencé à m'intéresser à la question des fleurs mutées, des mutations de fleurs qu'on pouvait trouver après les catastrophes. Espèce d'herbier post-catastrophe. Ça s'appelle d'ailleurs futur herbarium.
Et j'ai commencé une série de peintures où on voit des doubles marguerites, des doubles pissenlits. Et donc, on comprend assez rapidement qu'il y a une mutation. J'avais aussi l'idée de fossile du futur. Qu'est-ce que serait le fossile, justement, d'une de ces fleurs mutées? Donc, j'ai commencé à produire des sculptures dans du marbre, ou dans de la pierre, ou dans de l'onyx. Pour chaque projet, c'est donc un ensemble d'objets qui répondent au même scénario et qui évoluent ensemble. Ces objets peuvent être montrés dans le même espace ou dans la même exposition, mais peuvent aussi après avoir leur vie et leur autonomie. L'artiste a des choses au départ qui sont assez vagues, imprécises, alors que nous, on travaille, c'est de préciser, de rendre les choses claires. Là où la collaboration marche vraiment, c'est que finalement, l'artiste permet au scientifique de voir ce qu'il ne comprend pas et qu'il ne sait pas qu'il ne comprend pas. On peut avoir élaboré des nouveaux concepts, des nouveaux outils intellectuels pour comprendre ce qui se passe autour de nous et avoir un imaginaire visuel ou un imaginaire politique qui est hérité, qui est passé, qui est décalé. Ça montre très bien comment notre imaginaire et nos concepts peuvent être en décalage et périmés. Aujourd'hui, il y a un débat très vif sur la question de l'effondrement, de la fin des temps. Et c'est un concept qui est non pertinent parce qu'il laisse passer la façon dont en réalité, ce sont des métamorphoses et des recompositions. Il n'y a pas de table rase. Il y a des recompositions et des métamorphoses, pour le meilleur comme pour le pire. C'est Yellowstone, c'est la rivière qu'on a colorisée. Il y a différents régimes d'images dans ce projet. Il y a des images qui sont des scanners microscopiques. Il y a aussi des scanners LIDAR que nous avons pu utiliser. Il y a des phénomènes qui m'intéressaient, comme la fuite de méthane. J'ai amplifié ces phénomènes avec des effets spéciaux. Une des choses, je trouve, qui est très forte dans le film, c'est qu'on a quitté la façon dont la modernité était fondée sur un ordre du temps organisé, passé, présent et futur. Mais on a quitté aussi la façon dont la crise de la modernité était organisée sur une crise du passé, un passé qui ne passe pas et un futur qui n'existe plus comme promesse d'avenir. Là aussi, on est au-delà. On est dans le poste, c'est-à-dire que eh bien, passé, présent et futur sont complètement entremêlés. Ces bulles de méthane qui se libèrent du sol et qui brûlent si l'on met le feu, eh bien, c'est du passé qui remonte à la surface et qui est là dans notre présent. Je ne sais pas si c'est naturel, je ne sais pas si c'est artificiel. C'est des installations un peu étranges. Okay. On a des fleurs qui ont muté. Ça, c'est des feux qui sont artificiels, qu'on a créés... Voilà. Et puis, j'ai travaillé avec Warren Ellis, qui est un compositeur de musique de cinéma. Je lui ai envoyé les images et les premiers montages que je faisais. Et lui a réagi en commençant à composer. Il m'a fait plusieurs propositions. Le rapport entre l'image et musique, ça reste mystérieux. Et j'espère que ça reste mystérieux parce que pour moi, c'est toujours fascinant de voir qu'est-ce que la musique rend à l'image.
dans mon expérience, la musique, ça marche ou ça marche pas avec l'image. Quand je travaille avec un film, je préfère que je fais la musique avant et puis on trouve des accidents, des trucs qui arrivent par hasard. Je préfère ça que, en fait, composer à l'image. Moi, j'aime bien les trucs qui me font peur, que je ne connais pas. J'aime bien les trucs qui je ne connais pas. Que ça, c'est quoi ça? Je ne connais pas ça. Moi, j'aime bien, je suis plutôt attiré vers ça. Plus je vieillis, le plus j'ai le sentiment que je suis beaucoup plus ouverte que quand j'étais jeune. Le film au musée d'Orsay va être installé sur un écran LED qui fera une base d'à peu près 10 mètres. J'avais envie que l'écran soit comme une machine dans la nef, en fait, et que l'écran soit comme une source de diffusion d'un signal, de fréquence, d'onde, qui puisse influencer et atteindre le spectateur. Et tu vas avoir, comme tu as des images de sources très diverses. Je suis l'œuvre de Laurent Gassot depuis une bonne dizaine d'années et ce que j'en voyais faisait que j'avais très envie de lui donner une invitation au musée d'Orsay. Et notre conversation, en fait, a commencé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, autour du lieu d'ailleurs, principalement, des collections bien entendu, de la période d'Orsay. Qui l'intéresse particulièrement. On sait qu'il a un vrai centre d'intérêt pour cette fin du 19e siècle et les croisements parfois étranges, le beau bizarre que donnent la science et l'art et l'occultisme aussi de cette fin du 19e siècle. Il y avait l'idée de réenchanter la nef d'Orsay avec un projet qui tournait beaucoup autour de l'image, de la vidéo. Et puis petit à petit, le projet a évolué parce qu'il s'est greffé sur un projet d'exposition que nous étions en train de développer, qui s'appelle « Les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle ». Cette grande méditation sur l'art et les sciences était au fond une plateforme idéale pour cristalliser cette invitation à Laurent. Sauf qu'il y a eu une troisième étape, c'est évidemment la pandémie et le confinement. Le tournage dans les différents lieux qui avaient été envisagés à travers le monde est devenu totalement impossible. Et donc Laurent a complètement réimaginé son projet à partir d'images préexistantes. Nous vivons dans un monde d'images et toutes les œuvres deviennent des images. Aussi uniques soient-elles au monde, les œuvres de Van Gogh sont reproduites à l'infini et elles deviennent des images. Et effectivement, la force du travail de Laurent, c'est de jouer sur ce statut d'image et de lui redonner une aura, au fond. Il se replace dans la question de l'aura originelle de l'œuvre d'art. Ce qu'on verra dans l'installation de la nef, c'est une image fascinante, au sens premier du terme. J'espère que les visiteurs seront happés par cette image et que cette fascination, ils l'appliqueront évidemment aussi aux œuvres qui les environnent, qui seront présentées dans l'exposition. Une des bases de mes recherches, ça a été justement de choisir de plutôt relater de la complexité du monde que de délivrer des messages simplificateurs qui puissent être rassurants. Mon travail, c'est plutôt d'installer des plateformes de réflexion plus que d'imposer une manière de voir les choses. Voilà, c'est ce que je fais.